François VI de La Rochefoucauld naît à Paris le 15 septembre 1613, trois ans après l'assassinat d'Henri IV, lorsque son successeur Louis XIII a tout juste 12 ans et annonce ses fiançailles avec Anne d'Autriche. Le nourrisson est prince de Marcillac et conservera ce titre jusqu'à la mort de son père en 1650. Sa mère, Gabrielle du Plessis-Liancourt, est la sœur de Roger du Plessis, duc de Liancourt. Ainsi l'enfant appartient-il à la plus haute noblesse française, une première maison de la roche est connue dès le début du XIe siècle, et revendiquait de tirer son origine des Lusignans, qui avaient donné des rois à Jérusalem et à Chypre. Saint-Simon parlera à son propos du vin rongeur de princerie, cause moins de morgue que d'exigence de grandeur vis-à-vis -vis de soi et d'une distinction absolue. Pour être prince, il faut être le premier. François VI eut quatre frères et sept sœurs. De 1613 à 1634, ses parents accueillent en moyenne un enfant tous les deux ans. Un seul mourut jeune, à l'âge de cinq ans. Mais le dernier vient au monde la même année que le fils aîné du jeune prince. Ce dernier a 21 ans. De sa jeunesse, on ne sait rien. Il grandit probablement entre Paris et les châteaux familiaux du Poitou dont son père était gouverneur. Un acte de 1626 met fin aux fonctions de son précepteur. Cela signifie que le jeune Larochefoucault fut élevé chez lui. Le fait est normal pour un aristocrate de son époque et de son rang, mais implique qu'il est impossible de reconstituer l'instruction qu'il reçut. Il apprit à lire et à écrire. Son précepteur est un jeune poète poitevin, Julien Collardeau, né en 1596. Donna-t-il des rudiments de latin à son élève C'est fort discutable et on ne dispose d'aucun indice en ce sens. Aîné de sa lignée, la Rochefoucauld était vouée au métier des armes. Il grandit hâtivement. À treize ans, on considère qu'il en sait suffisamment puisque le précepteur est congédié. Son bagage doit être mince. Le 20 janvier 1628, il épouse à quatorze ans André de Vivonne, qui est la fille unique du grand fauconnier de France, lequel fut aussi capitaine des gardes du corps de Marie de Médicis. C'est un beau mariage. Le couple s'installe à Paris. Il aura huit enfants, dont François VII, né en 1634. On ne connaît pas la date de naissance d'André de Vivonne, mais son père étant mort en 1616, et l'usage n'étant pas de choisir une épouse plus âgée que le mari, elle doit être née entre 1613 et 1616. Elle mourra en 1670. La Rochefoucauld lui rend hommage dans les testaments qu'il rédige en 1653 et 1658. Il lui lègue tous ses biens qui ne reviennent pas nécessairement à leurs enfants. Louant sa grande amour et tendresse pour leur progéniture. L'année dernière, son livre de prière est passé en salle des ventes. Ce beau volume manuscrit est un témoignage rare sur cette femme discrète. Très vite, La Rochefoucauld entre dans la carrière des armes. Il accomplit sa première campagne en Italie en 1629. Volontaire à l'attaque du Pas de Suse, il se distingue. Cinq jours plus tard, il est fait maître de camp du régiment d'Auvergne. En 1635, il participe à la guerre contre les Espagnols. La Rochouco est de nouveau volontaire à Avin près de Liège, mais à son retour, il est exilé en Angoumois pour avoir critiqué les opérations, peut-être aussi parce qu'opposé à Richelieu, il est devenu le confident de la reine. En 1639, il combat dans les Flandres et de nouveau sa bravoure éclate. Il repousse toutefois les avantages de Richelieu et rentre dans ses terres. En 1643, il participe à la fameuse bataille de Rocroi et enchaîne les campagnes. En 1645, dans le nord de la France. Le 13 août 1646, il est blessé à la bataille de Mardic. Le voilà ramené à Paris sur un brancard et nommé maître de camp d'un régiment à son nom et gouverneur du Poitou. La fronde débute en 1648. Rochefoucauld a 35 ans. Il se range d'abord du côté du roi, mais change de camp. Lorsque Mazarin refuse d'accorder le tabouret à son épouse et à lui-même la duché à titre personnel. Ainsi pendant le blocus de Paris en 1649, est-il du côté des insurgés à l'intérieur de la ville où il tente de faire entrer un convoi de ravitaillement. Tiré à bout portant, il est grièvement blessé. Mais en 1650, il est de nouveau à l'offensive, multipliant les intrigues et les voyages. En août, à titre de représailles, son château de Verteuil est rasé. Et il est exilé au moment où est signée la paix de Roye. En 1651, revenu à Paris, La Roche foucault affronterait au Parlement. Puis il combat avec Condé, le héros de Recroix. Le 2 juillet 1652, au cours du combat du Faubourg Saint-Antoine, il reçoit une terrible blessure au visage. Il manque de perdre la vue. Transporté d'urgence à l'hôtel de Liancourt, il se réfugie ensuite à Bagneux. Mais rien ne vient à bout de sa détermination. Que sa grasse soit consommée, à la fin de la fronde, il est condamné à l'exil, en province. La Rochefoucauld prend les armes pour la dernière fois en 1667. Il participe au siège de Lille au mois d'août. Il a alors 54 ans. Il est grand-père. Son fils est marié depuis près dix de ans avec sa cousine, Mademoiselle du Plessis, l'unique petite-fille d'Eliancourt, une des plus brillantes fortunes de France. Le mariage a restauré les finances de la famille. Son fils est bien en cours. La Fronde a brisé la carrière de La Rochefoucauld, mais non pas celle de sa lignée. La Rochefoucauld n'a pas été un homme de cabinet, mais un soldat, un homme d'action, rompu à la vie des camps. Sa naissance, cependant, l'autorise à mener entre les campagnes une vie mondaine qui va te faire de lui un homme poli entre tous. Il fait son entrée à la cour et probablement aussi à l'hôtel de Rambouillet, le foyer de la politesse, dès son retour de la guerre en 1629. Très vite, il s'engage dans une série d'intrigues au service de femmes envers lesquelles il déploie un chevaleresque entre gens. Il soutient d'abord la reine mère, Marie de Médicis, contre Richelieu. En 1637, il se lie avec Madame de Chevreuse et forme le projet d'enlever la reine Anne d'Autriche ainsi que la favorite du roi, Mademoiselle de Hautefort, pour narguer Louis XIII et son ministre. Le complot échoue, Madame de Chevreuse confie des pierreries à La Rochefoucauld et s'enfuit en Espagne. Le prince est emprisonné huit jours à la Bastille. À sa sortie, il est exilé pour deux ans à Verteuil-en-Angoumois. La mort de Richelieu en 1642 signe son retour en faveur, mais la Rochefoucauld n'est pas assagie. Il entre cette fois dans la cabale des Importants et commence à comploter contre Mazarin. Il entame ainsi une liaison avec la brillante Duchesse de Longueville. Âgée de vingt-sept ans, Anne Geneviève de Bourbon est la sœur du Grand Condé. Elle est mariée depuis quatre ans avec Henri d'Orléans, duc de Longueville. Alors que ce dernier n'est que si le traité de Westphalie, elle est sommée de le rejoindre à Münster. L'intrigue recommence lorsqu'elle rentre à Paris. Frondeuse passionnée, elle donne naissance le 29 janvier 1649 à l'hôtel de ville à Charles-Paris, comte de Saint-Paul. L'enfant a été reconnu par le duc de Longueville, mais il est le fils de La Rochefoucauld, qu'elle a entraîné dans les événements de la Fronde. Tandis que les difficultés s'accumulent, madame de Longueville quitte La Rochefoucauld pour le duc de Nemours. La blessure est encore vive dix ans plus tard. Dans une lettre à Madame de Sablé, il s'enclaire passionnément des sentiments qu'elle a pu conserver à son égard. Je voudrais bien savoir, par une personne qui voit les replis du cœur comme vous, quels sont ses véritables sentiments pour moi. Je veux dire, si elle a cessé de me haïr, par dévotion, par lassitude, ou pour avoir connu que je n'ai pas eu tout le tort qu'elle avait cru. Enfin, je vous demande de m'apprendre ce qui vous a paru là-dessus car je croirais bien mieux ce que vous m'en direz que tout ce que j'ai vu d'ailleurs. Lorsque La Rochefoucauld revient à Paris après la fronde, Madame de Longueville a entamé une longue conversion. À partir de 1655, il fréquente désormais Madame de Sévigné, Madame du Plessis-Guénigaud, Madame de Sablé, Madame d'Aumale, Mademoiselle de Lafayette. Toutes, comme Madame de Longueville, sont des précieuses confirmées. Madame de Lafayette passe en 1658 pour une précieuse de la plus haute volée. La Rochefoucauld réside à l'hôtel de Liancourt, chez son oncle, où il rencontre les hommes les plus cultivés de son temps. Auprès de cette société choisie, il lit et acquiert la culture civile qui est l'appalage des grands mondains. Sa bibliothèque et celle de son oncle, dont nous avons conservé les inventaires après décès, sont riches. Elles contiennent des ouvrages qui relèvent de la littérature – La Rochefoucauld est un grand lecteur de l'Astré – mais aussi les œuvres des historiens de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, ainsi que des contemporains, comme de Méseret. La Rochefoucauld lit certainement « La cité de Dieu » de Saint-Augustin. Il en reprend certains développements dans ses réflexions diverses. Il est probable qu'il connaît aussi ses confessions, traduites par Arnaud d'Andilly en 1649. Les lacunes de ses années de jeunesse sont comblées, sans pédoterie ni dogmatisme, mais avec la politesse des salons qu'il fréquente. La Rochefoucauld se lit avec la fine fleur des écrivains de son temps. Familier de Mademoiselle de Scudéry, il guette la parution de ses œuvres tandis qu'elle le gratifie d'un portrait flatteur dans sa clélie. La Fontaine lui dédie deux fables, L'homme et son image et les lapins. Le 1er mars 1672, Madame de Sévigné rapporte que la Rochefoucauld l'a prié de venir entendre lire chez lui une comédie de Molière, probablement Les femmes savantes créée le même mois. Au début des années 1660, le duc noue une liaison étroite avec madame de Lafayette. Les secrets de cette amitié tendre demeurent inviolés. Il a une cinquantaine d'années, madame de Lafayette une trentaine. L'un comme l'autre ont professé une détestation de l'amour, ennemi du repos, qui pourrait dissuader d'imaginer davantage qu'une intelligence des sensibilités. Cependant, voisin, il vit rue de Seine et elle rue Ferroux, entre le Luxembourg et Saint-Sulpice, ils se rencontrent tous les jours jusqu'à la mort du duc. La comtesse souffre de migraines, de maux d'estomac, de crises d'anorexie, au cours desquelles elle ne parvient à consommer que du lait. Des vapeurs lui donnent de la mélancolie. Le seul portrait qui existe d'elle, assez laid, la représente la joue dans la main, dans la position topique de la mélancolie. La Rochefoucauld revendique de ne pouvoir rire. Mais en 1672, Madame de Sévigné croque avec humour ses débandades. Madame de Lafayette est toujours languissante, Monsieur de La Rochefoucauld toujours éclopé. Nous faisons quelquefois des conversations d'une tristesse, qu'il semble qu'il n'y ait plus qu'à nous enterrer. Le jardin de Madame de Lafayette est la plus jolie chose du monde. Tout est fleuri, tout est parfumé. Nous y passons bien des soirées, car la pauvre femme n'ose pas aller en carrosse. Nous vous souhaiterions bien quelquefois derrière une palissade, pour entendre certains discours de certaines terres inconnues que nous croyons avoir découvertes. Les lettres de La Rochefoucauld le peigne gourmand, amateur de potages et de truffes. Madame de Sévigné se vante de tout obtenir de lui pour des marmelades. Elle cite volontiers ses bons mots et ses traits d'esprit. Il lui envoie des trajets. Ses propres lettres font preuve souvent de gaieté, dans un style qui semble parfois plagier celui de Madame de Sévigné. Ainsi, à Mademoiselle de Sillery, il me semble que vous vous mariez bravement, sans me rien dire. J'avais cependant d'assez bons conseils à vous donner. Mais la beauté de votre naturel et l'éducation de ma sœur vous ont appris sans doute tout ce que vous aviez à faire dans une telle occasion. J'aurais cependant fort souhaité de pouvoir être témoin de votre conduite. Je m'attends que vous m'en rendrez compte, car sans cela, au lieu des prospérités que je vous souhaite, je vous souhaiterais les impossibilités, les jalousies réciproques, l'incompatibilité d'humeur, un beau-père amoureux de vous, une belle-mère acariâtre, des beaux frères querelleurs, des belles sœurs ennuyeuses, polies de campagne et aimant lire de mauvais romans. De la fumée en hiver, des punaises en été, des fermiers qui paient mal, de fâcheux voisins, des procès en défendant, des valets qui vous volent, un méchant cuisinier, un confesseur moliniste, une femme de chambre qui ne sait pas, pas bien peigner, un carrosse mal attelé, un cocher à ivrogne, du linge sale, de l'eau troupe, du vin vert, du pain de beauce, des créanciers impatients, un bailli chicaneur, des lévriers au coin de votre feu, des chats sur votre lit, un curé qui prêche mal et longtemps. Un vicaire mauvais poète Je parlerai des enfants Mais l'impossibilité y pourvoira Si tant est qu'elle puisse y pourvoir Je mentais pour n'aller pas trop loin Venez donc me voir Quand ce sera fait Pour éviter tous ces malheurs Et pour vous rendre digne Des biens que vous méritez Si vous faites votre devoir Rien de cela ne nuit aux relations De la Rochefoucauld avec Madame de La Fayette Le duc joue un rôle qui ne le résume pas Et dont il n'est pas dupe C'est une politesse de grand seigneur Démasqué lorsqu'il écrit à son fils pour le reprendre de ses dettes et de ses morgues, avec délicatesse, piqué toutefois que ce dernier n'honore pas son amitié de la même sincérité. Auprès de Madame de Lafayette, il a collaboré à l'édition de Zaïd qui paraît en 1670 et de La Princesse de Clèves. Certains contemporains ironisèrent que c'était le seul enfant qu'il pouvait faire à l'orage. En 1675, Madame de Tiange offre pour les étrennes au Petit Duc Maine une miniature nommée La Chambre du Sublime, où se trouvent des figures de cire. Elle représente Bossuet, Madame de Lafayette, Boileau, Racine et La Fontaine, mais aussi La Rochefoucauld, c'est-à-dire la fine fleur des écrivains du temps. Cinq ans plus tard, La Rochefoucauld meurt. Madame de Sémigné ne dissimule pas le chagrin de Madame de Lafayette, dont l'hypochondrie dès lors flambe. Quoique cette lettre ne parte que mercredi, je ne puis m'empêcher de la commencer aujourd'hui, pour vous dire, ma bonne, que M. de La Rochefoucauld est mort cette nuit. J'ai la tête si pleine de ce malheur et de l'extrême affliction de notre pauvre ami qu'il faut que je vous en parle. Hier samedi, le remède de l'anglais avait fait des merveilles. Toutes les espérances de vendredi que je vous écrivais étaient augmentées. On chantait victoire. La poitrine était dégagée, la tête libre. La fièvre moindre des évacuations salutaires. Dans cet état, hier à 6 heures, il se tourne à la mort tout d'un coup. Les redoublements de fièvre, l'oppression, les rêveries, en un mot, la goutte les traîtreusement. Et quoiqu'il eût beaucoup de force et qu'il ne fut point abattu, saignées, il n'a fallu que 4 ou 5 heures pour l'emporter. Et à minuit, il a rendu l'âme, entre les mains de Monsieur de Condom, c'est-à-dire Bossuet. Monsieur de Marsillac, son fils, ne l'a pas quitté d'un moment. Il est mort entre ses bras, dans cette chaise que vous connaissez. Il lui a parlé de Dieu avec courage. Il est dans une affliction qui ne se peut représenter. Mais, ma bonne, il retrouvera le roi et la cour. Toute sa famille se retrouvera en sa place. Mais où Madame de Lafayette retrouvera-t-elle un tel ami, une telle société, une pareille douceur, un agrément, une confiance, une considération pour elle et pour son fils elle est infirme, elle est toujours dans sa chambre, elle ne court point les rues. Monsieur de La Rochefoucauld était sédentaire aussi. Cet état les rendait nécessaires l'un à l'autre. Rien ne pouvait être comparé à la confiance et au charme de leur amitié. Ma bonne, songez-y. Vous trouverez qu'il est impossible de faire une perte plus sensible et dont le temps puisse moins consoler. Je ne l'ai pas quittée tous ces jours. Elle n'allait point faire la presse parmi cette famille. Ainsi, elle avait besoin qu'on eût pitié d'elle. Madame de Coulanges a très bien fait aussi et nous continuerons encore quelque temps aux dépens de notre rate qui est toute pleine de tristesse. Deux jours plus tard, elle écrit Il est enfin mercredi, ma bonne. Monsieur de La Rochefoucauld est toujours mort et monsieur de Marcillac toujours affligé et si bien enfermé qu'il ne semble pas qu'il songe à sortir de cette maison. La petite santé de Madame de Lafayette soutient mal une telle douleur. Elle en a de la fièvre et il ne sera pas au pouvoir du temps de lui ôter l'ennui de cette privation. Sa vie est tournée d'une manière qu'elle le trouvera tous les jours à dire. Vous devez me dire tout au moins quelque chose pour elle dans ce que vous m'écrirez. Mais le tableau de la métamorphose du soldat en homme du monde demeure incomplet, inexact, si ses liens avec Port-Royal ne sont pas clairement établis. La Rochefoucauld est proche de Port-Royal par les Liancourt, chez qui il loge à Paris. Tous deux sont dévots. Et font élever leur petite fille, sa future bru, au monastère. C'est pour cette raison que la confession est refusée au duc en 1654, suscitant une polémique qui est à l'origine des provinciales. L'hôtel de Liancourt est d'autre part le siège de réunion où se côtoient tous les Augustiniens. Le script de leur conversation en 1670 et 1671 a été conservé et publié sous le titre de Recueil de choses diverses. Il figure notamment les Pascalins qui participent à la première édition des pensées. La Rochefoucauld n'apparaît pas dans ces échanges, mais il a nécessairement rencontré ces hommes. Il fréquente d'ailleurs madame de Sablé à une date où elle vit, à partir de 1660, dans un appartement hors clôture au monastère de Port-Royal de Paris. Elle y fréquente une société mêlée. Pascal, aussi bien qu'un jésuite comme le père Rapin lui rendent visite, mais la dominante augustinienne de ses pro Préoccupation est bien établie par sa correspondance, par exemple avec sa grande amie Madame de Mort. Madame de Lafayette elle-même est proche de Port-Royal. Son beau-père, Renaud de Sévigné, s'y fait construire un logis en 1660 après la mort de son épouse, lui abandonnant sa maison de la rue Féro. Grande lectrice de Pascal, la comtesse a pour confesseur un oratorien proche de Port-Royal, le père duguet et meurt en 1693, assistée par Marguerite Perrier, la nièce de Pascal. Madame de Sévigné, quant à elle, visite les champs et s'avoue une lectrice opiniâtre de Nicole. Si la Rochefoucauld ne fréquente plus Madame de Longueville, il n'est cependant pas jusqu'à cette dernière qui ne fréquente Port-Royal. Elle se fait construire un hôtel au monastère des Champs et lui accorde une indéfectible protection jusqu'à sa mort en 1679. Par sa naissance, par ses fréquentations, la Rochefoucauld est au cœur de la nébuleuse port-royaliste. Au début des années 1660, c'est à Robert Arnaud d'Andilly qu'il confie le manuscrit de ses mémoires et l'œuvre lui échappe sans doute à cause d'une copie faite par l'homénide Brienne un ami de ce dernier qui est aussi le filleul de Madame de Longueville. Rien ne prédisposait La Rochefoucauld à devenir un des écrivains les plus célèbres du XVIIe siècle. Aussi, sa première œuvre est-elle un texte de circonstances Il compose l'apologie pour Monsieur le Prince de Marcillac en 1649 afin de justifier ses choix politiques. Il s'agit d'un pamphlet violent. La Rochefoucauld proclame Mazarin, dont il tire un portrait au noir, émis du roi et de l'État. Il expose au grand jour l'ingratitude de la reine qui l'a servi sans qu'elle l'en récompense. Brillante, incisive, la vitupération est un coup d'éclat, mais sa diffusion demeure manuscrite. Sa première édition parut au XIXe siècle. La Rochefoucauld retourne à l'écriture après la Fronde, une fois disgraciée, exilée en province. Il entame alors des mémoires. Le geste en 1654 est inédit. La Rochefoucauld commence par écrire les quatre dernières parties du texte que nous lisons aujourd'hui, qui en comporte six. Il relate des événements récents survenus entre mars 1649 et octobre 1652. Il évoque la fronde. Les quatre livres sont écrits à la troisième personne sur le modèle des commentaires de César. La Rochefoucauld postule de la sorte une distance favorable à l'exercice de l'écriture de l'histoire. Ses références sont les mémoires de Comines, de Castelnau, de Marguerite de Valois, de La Roche, des ouvrages qui se trouvent dans la bibliothèque familiale. Sans prétendre composer une histoire en forme, l'histoire demeurant alors un grand genre littéraire, éminemment rhétorique, l'auteur entend néanmoins proposer sa version de l'histoire, une lecture. Il prend le soin d'écrire ce que je fais présentement est plutôt pour ne pas oublier quelques circonstances que j'ai vues, dont quelqu'un de mes amis a eu curiosité, que pour les faire voir. Mais il s'agit d'une captatio benevolentiae, rebattue. L'œuvre n'est pas un simple mémorandum demandé par un ami. Elle choisit entre les événements, occulte, redistribue, adopte des perspectives de biais. En écrivant, La Rochefoucauld restitue sa vision de l'histoire, celle du vaincu dont la voix d'ordinaire est écrasée. L'œuvre a vocation à réparer plus qu'à démêler véritablement entre les actions. Des mémoires sont au XVIIe siècle les matériaux d'une histoire à venir, non un récit personnel, comme nous l'entendons aujourd'hui. La Rochefoucauld s'abstient de fournir la moindre information sur ses sentiments. Jamais il ne précise la nature des relations que son personnage, par exemple, entretient avec Madame de Longueville. Il écrit une contre-histoire, pas celle de l'individu qu'il est. Son projet est d'abord politique, si une lecture attentive aux blancs et aux torsions qu'il fait subir aux faits peut restituer les effets d'une sensibilité. Ainsi, La Rochefoucauld s'abstient de mentionner, quand il évoque le début des événements, qu'il existe un jeune roi, même s'il est un enfant, et que son existence établit la légitimité de la régente et de son ministre. La Rochefoucauld semble avoir suspendu son travail une fois parvenu en 1652 dans son récit. Lorsqu'il reprend ses mémoires après la mort de Mazarin, semble-t-il, c'est-à-dire après mars 1661, il ne poursuit pas la relation entamée, mais entreprend de raconter la période qui s'étend de 1624 à 1642. Alors qu'il n'a même pas été le témoin ou qu'il n'a pas été partie prenante des premiers événements qu'il évoque, il choisit cependant d'utiliser la première personne du singulier. Le préambule explique. J'ai passé les premières années du ministère du cardinal Mazarin dans l'oisiveté que laisse d'ordinaire la disgrâce. Pendant ce temps, j'ai écrit ce que j'ai vu des troubles de la régence. Bien que ma fortune soit changée, je ne jouis pas d'un moindre loisir. J'ai voulu l'employer à écrire des événements plus éloignés où le hasard m'a souvent donné quelque part. La Rochefoucauld nie être encore disgracié, manière d'interdire au lecteur de supputer qu'il puisse écrire mu par le ressentiment. L'œuvre n'est due qu'à l'oisiveté et aux loisirs dont il dispose, qui n'ont aucune connotation péjorative au XVIIe siècle. Au contraire, l'otium représente un idéal de disponibilité intellectuelle propice à l'étude. Ce sont les affaires, le négoce ou négotium qui, négation d'un état positif, constituent un mal. L'auteur se représente ainsi jouir des conditions les plus propices à son entreprise, dans un détachement souligné par l'idée que les événements narrés sont lointains et qu'il n'y a participé que par hasard. Dans les faits, le dispositif n'est pas moins complexe qu'auparavant mais la part du romanesque saisit aussitôt le lecteur. Les intrigues galantes entre Anne d'Autriche et Buckingham ouvrent la voie aux trompes mousquetaires. Les personnages, la scène, les sentiments, le danger, tout reflète l'idéalisation privilégiée par les romans de la période. On a pu parler, à propos de cet enchantement rétrospectif, de Don Quichotisme, car La Rochefoucauld se complète apparemment dans l'évocation d'un monde enfui et cruellement effondré. Mais ce prisme chatoyant ne rend-il pas plus amer la déchéance finalement des protagonistes Il est tentant de lire dans l'œuvre le même effet d'anamorphose et de renversement qu'on perçoit dans les romans de Madame de Lafayette. Sa princesse de Montpensier paraît en 1662. Elle est contemporaine du texte de La Rochefoucauld. Elle a sans doute composé la comtesse de Tante un peu plus tôt. La passion du secret des personnages du duc, leurs mensonges, ardes, leur apparente perfection initiale, comme chez madame de Lafayette. La vertu cède à une secrète corruption qui ronge peu à peu l'ensemble du tableau. La Rochefoucauld fit circuler son texte en manuscrit, selon un usage commun de l'époque. Madame de Maudeville, la fidèle confidente d'Anne d'Autriche, elle même auteur de mémoire, les lut, ainsi que tellement des réaux. Mais la Rochefoucauld n'est pas responsable de l'édition qui paraît en 1662 à Bruxelles sous le titre de mémoire de Monsieur D.L.R. sur les brigues à la mort de Louis XIII, les guerres de Paris et de Guyenne et la prison des princes. Le volume ne contient pas le livre 1 de son texte et seulement des bribes du second. Le troisième présente un état insatisfaisant. Tel quel, son effet fut cependant dévastateur, notamment quant à l'implication de Madame de Longueville, à une époque où elle vivait suivant une stricte pénitence. La Rochefoucauld désavoua l'œuvre, elle resta mal connue jusqu'au XXe siècle. La tonalité romanesque des livres 1 et 2 s'explique sans doute par le contexte dans lequel ils furent écrits. À cette date, La Rochefoucauld est revenue à Paris. Il fréquente les salons précieux les plus réputés, il s'adonne à la lecture des romans et aux pratiques mondaines de l'écriture. Ainsi subsistent-il des portraits de lui qui furent publiés dans un recueil collectif offert en 1659 à mademoiselle de Montpensier. L'un, intitulé Portrait de mademoiselle sous le nom de Climène, est en réalité un portrait de madame de Lafayette. Le second est un autoportrait. Un troisième texte conservé dans les papiers de madame de Sévigné est un portrait à charge du cardinal de Ray qui se vengea en composant à son tour un portrait de La Rochefoucauld dans ses mémoires. La Rochefoucauld sacrifie à une mode, ses portraits débutent tous par une description physique. Écoutons-le se peindre. Je suis d'une taille médiocre, libre et bien proportionnée. J'ai le teint brun, mais assez uni. Le front élevé et d'une raisonnable grandeur, les yeux noirs, petits et enfoncés, et les sourcils noirs et épaisses, mais bien tournés. Je serais fort empêché à dire de quelle sorte j'ai le nez fait, car il n'est ni camus, ni aquilène, ni grosse, ni pointu, au moins à ce que je crois. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plutôt grand que petit et qu'il descend un peu trop en basse. J'ai la bouche grande et les lèvres assez rouges d'ordinaire et ni bien ni mal taillées. J'ai les dames blanches et passablement bien rangées. On m'a dit autrefois que j'avais un peu trop de menton. Je viens de me tâter et de me regarder dans le miroir pour savoir ce qui en est » et je ne sais pas trop bien qu'en juger. Pour le tour du visage, je l'ai ou carré ou en ovale, lequel des deux il me serait fort difficile de le dire. J'ai les cheveux noirs, naturellement frisés, et avec cela assez épais et assez longs pour pouvoir prétendre en belle tête. J'ai quelque chose de chagrin et de fier dans la mine. Cela fait croire à la plupart des gens que je suis méprisante, quoique je ne le sois point du tout. J'ai l'action fort aisée, et même un peu trop, et jusque à faire beaucoup de gestes en parlant. Voilà naïvement comme je pense que je suis faite au dehors, et l'on trouvera, je crois, que ce que je pense de moi là-dessus n'est pas fort éloigné de ce qui en est. J'en userai avec la même facilité dans ce qui me reste à faire de mon portrait, car je me suis assez étudié pour me bien connaître, et je ne manque ni d'assurance pour dire librement ce que je puis avoir de bonnes qualités, ni de sincérité pour avouer franchement ce que j'ai de défauts. Le portraitiste évoque ensuite son caractère, son humeur. Elle est noire, il se dit mélancolique, le mot revient à plusieurs reprises. Effet de disgrâce sur lesquels il s'emploie pourtant à jeter un brouillard dans ses mémoires, ou délicate éloge de soi-même, car le tempérament mélancolique est celui des amants et des poètes. Premièrement, pour parler de mon humeur, je suis mélancolique, et je le suis à un point que depuis trois ou quatre ans, à peine m'a-t-on vu rire trois ou quatre fois. J'aurais pourtant, ce me semble, une mélancolie assez supportable et assez douce, si je n'en avais point d'autre que celle qui me vient de mon tempérament. Mais il m'en vient tant d'ailleurs, et ce qui m'en vient me remplit de telle sorte l'imagination et m'occupe si fort l'esprit, que la plupart du temps, où je rêve sans dire mot, où je n'ai presque point d'attache à ce que je dise, je suis fort resserré avec ceux que je ne connais pas, et je ne suis pas même extrêmement ouverte avec la plupart de ceux que je connaisse. C'est un défaut, je le sais bien, et je ne négligerai rien pour m'en corriger. Mais comme un certain air sombre que j'ai dans le visage contribue à me faire paraître encore plus réservé que je ne le suis, et qu'il n'est pas à notre pouvoir de nous défaire d'un méchant air qui nous vient de la disposition naturelle des tresses, je pense qu'après m'être corrigé au de danse, il ne laissera pas de me demeurer toujours de mauvaises marques au de horse. J'ai de l'esprit, et je ne fais point une difficulté de le dire. Car à quoi est bon façonner là dessus. Tant biaiser et tant apporter d'adoucissement pour dire les avantages que l'on a, c'est, ce me semble, cacher un peu de vanité sous une modestie apparente, et se servir d'une manière bien adroite pour faire croire de souhait beaucoup plus de bien que l'on en dit. Pour moi, je suis content qu'on ne me croie ni plus beau que je me fesse, ni de meilleure humeur que je me dépeince, ni plus spirituel et plus raisonnable que je dirais que je le suis. J'ai don de l'esprit, encore une fois, mais un esprit que la mélancolie gâte. Car encore que je possède assez bien ma langue, que j'ai la mémoire heureuse, et que je ne pense pas les choses fort confusément. J'ai pourtant une si forte application à mon chagrin que souvent j'exprime assez mal ce que je veux dire. La conversation des honnêtes gens est un des plaisirs qui me touchent le plus. J'aime qu'elle soit sérieuse et que la morale en fasse la plus grande partie. Cependant je sais la goûter aussi quand elle est enjouée et si je n'y dis pas beaucoup de petites choses pour rire, ce n'est pas du moins que je ne connaisse bien ce que valent les bagatelles bien dites, et que je ne trouve fort divertissante cette manière de badiner où il y a certains esprits prompts et aisés qui réussissent si bien. J'écris bien en prose, je fais bien en verse, et si j'étais sensible à la gloire qui vient de ce côté-là, je pense qu'avec peu de travail je pourrais m'acquérir assez de réputation. J'aime la lecture en général. Celle où il se trouve quelque chose qui peut façonner l'esprit et fortifier l'âme est celle que j'aime le plus. Surtout j'ai une extrême satisfaction à lire avec une personne d'esprit car de cette sorte on réfléchit à tout moment sur ce qu'on lit, et des réflexions que l'on fait, il se forme une conversation la plus agréable du monde et la plus utile. Je juge assez bien des ouvrages de vers et de prose que l'on me montre, mais j'en dis peut-être mon sentiment avec un peu trop de liberté. Ce qu'il y a encore de mal en moi, c'est que j'ai quelquefois une délicatesse trop scrupuleuse et une critique trop sévère. Je ne hais pas à entendre disputer, et souvent aussi je me mêle assez volontiers dans la dispute. Mais je soutiens d'ordinaire mon opinion avec trop de chaleur, et lorsqu'on défend un parti injuste contre moi, quelquefois, à force de me passionner pour celui de la raison, je deviens moi-même fort peu raisonnable. Si La Rochefoucauld se montre un observateur avisé de lui même, il entre peu de discrimination dans ce portrait flatteur aux antipodes de toute espèce d'examen de conscience. Il se peint en galant homme, prenant quasi la pose, s'il admet avoir la délicatesse excessivement scrupuleuse ou la critique trop sévère. Ses fautes révèlent essentiellement la finesse de l'étoffe, d'un homme susceptible de devenir injuste par passion de la justice ou déraisonnable par amour de la raison. Ces paradoxes précieux semblent trahir un mésusage du portrait, renversé en éloge de soi. La Rochefoucauld altère son modèle, c'est encore plus perceptible dans la troisième partie du texte, consacrée à l'évocation de ses sentiments. J'ai les sentiments vertueux, les inclinations belles, et une si forte envie d'être tout à fait honnête homme, que mes amis ne me sauraient faire un plus grand plaisir que de m'avertir sincèrement de mes défauts. Ceux qui me connaissent un peu particulièrement et qui ont eu la bonté de me donner quelquefois des avis là-dessus savent que je les ai toujours reçus avec toute la joie imaginable et toute la soumission d'esprit que l'on saurait désirer. J'ai toutes les passions assez douces et assez réglées. On ne m'a presque jamais vu en colère, et je n'ai jamais eu de haine pour personne. Je ne suis pas pourtant incapable de me venger si l'on m'avait offensé, et qu'il y a là de mon honneur à me ressentir de l'injure qu'on m'aurait faite. Au contraire, je suis assuré que le devoir ferait si bien en moi l'office de la haine que je poursuivrai ma vengeance avec encore plus de vigueur qu'un autre. L'ambition ne me travaille point, je ne crains guère de choses et ne crains aucune la morte. Je suis peu sensible à la pitié et je voudrais ne l'y être point du tout. Cependant, il n'est rien que je ne fisse pour le soulagement d'une personne affligée, et je crois effectivement que l'on doit tout faire, jusqu'à lui témoigner même beaucoup de compassion de son mal, car les misérables sont si sots que cela leur fait le plus grand bien du monde. Mais je tiens aussi qu'il faut se contenter d'en témoigner, et se garder soigneusement d'en avoir. C'est une passion qui n'est bonne à rien au dedans d'une âme bien faite, qui ne sert qu'à affaiblir le cœur, et qu'on doit laisser au peuple, qui n'exécutant jamais rien par raison, a besoin de passion pour le porter à faire les choses. J'aime mes amis, et je les aime d'une façon que je ne balancerais pas un moment à sacrifier mon intérêt aux leurs. J'ai de la condescendance pour eux. Je souffre patiemment leurs mauvaises humeurs, et j'en excuse facilement toutes choses. Seulement, je ne leur fais pas beaucoup de caresses, et je n'ai pas non plus de grandes inquiétudes en leur absence. J'ai naturellement fort peu de curiosité pour la plus grande partie de tout ce qui en donne aux autres gens. Je suis fort secrète. « Et j'ai moins de difficultés que personne à taire ce qu'on m'a dit en confidence. »« Je suis extrêmement régulière à ma parole. »« Je n'y manque jamais de quelque conséquence que puisse être ce que j'ai promis. »« Et je m'en suis fait toute ma vie une loi indispensable. »« J'ai une civilité fort exacte parmi les femmes. »« Et je ne crois pas avoir jamais rien dit devant elles qui leur ait pu faire de la peine. » Quand elles ont l'esprit bien fait, j'aime mieux leur conversation que celle des hommes, on y trouve une certaine douceur qui ne se rencontre point parmi nous, et il me semble, outre cela, qu'elles s'expliquent avec beaucoup plus de netteté et qu'elles donnent un tour plus agréable aux choses qu'elles disent. Pour Galante, je l'ai été un peu autrefois. Présentement, je ne le suis plus, quelque jeune que je sois. J'ai renoncé aux fleurettes, et je m'étonne seulement de ce qu'il y a encore tant d'honnêtes gens qui s'occupent tant d'ébitaires. J'approuve extrêmement les belles passions. Elles marquent la grandeur de l'âme, et quoique dans les inquiétudes qu'elles donnent, il y ait quelque chose de contraire à la sévère sagesse, elle s'accommode si bien d'ailleurs avec la plus austère vertu, que je crois qu'on ne les saurait condamner avec justice. Moi qui connais tout ce qu'il y a de délicate et de fort dans les grands sentiments de l'amour, si jamais je viens à aimer, ce sera assurément de cette sorte. Mais de la façon dont je suis, je ne crois pas que cette connaissance que j'ai me passe jamais de l'esprit au cœur. On relève aisément des incohérences dans ce morceau de bravoure. Ainsi la rochefoucauld écrit-il, quelque jeune que je sois, alors qu'âgé de plus de quarante-cinq ans, il ne saurait se dire jeune au XVIIe siècle. Il affirme n'avoir jamais éprouvé de haine ni d'ambition ce que les mémoires tentent à affirmer. Il prétend aussi n'avoir jamais aimé. Ses aventures interdisent de le croire, sauf à supputer que revenant sur ses anciennes amours, il les déprécie en galanteries éloignées de tout amour véritable. En effet, la Rochoucault est engagée depuis 1657 dans l'entreprise des Maximes, une farouche lacération de la fausseté des vertus qui s'ouvre alors par un brillant portrait de l'amour propre. L'exercice peut bien l'avoir encouragé à relire le passé et à discerner, comme il le fait dans les mémoires, sous le beau jour des apparences, un fond plus sordide. En dépit de la variété des genres pratiqués par la Rochefoucauld, il est impossible d'isoler ses œuvres et de les replier sur des usages stéréotypés. Contaminations et glissements les minent sourdement et font leur richesse. On reviendra néanmoins sur la représentation de soi en beau ténébreux que la pièce propose. Il est temps de dire quelque chose du grand œuvre auquel La Rochefoucauld est attachée depuis 1657 et qui paraîtra sous le titre de Réflexions ou Sentences et Maximes morales en 1665. L'histoire du texte est désormais bien connue grâce aux lettres qui reflètent sa genèse. La Rochefoucauld, au cours de l'hiver 1657, est à Paris. Il négocie le mariage de son fils, âgé de 14 ans, comme il l'était lui-même au moment de ses noces. Il s'engage avec madame de Sablé, qui vient d'emménager à Port-Royal, et un troisième comparse, Jacques Esprit, un ancien oratorien défroqué, Augustinien farouche, dans la création collective d'un recueil de sentences, de pièces brèves, à vocation morale, volontiers aphoristiques. Chacun des partenaires soumet un texte ou une idée que les autres reprennent et façonnent à loisir, avant de consigner le résultat dans un cahier d'enregistrement. L'étincelle initiale semble être venue de Jacques Esprit, Peut-être à la lecture d'un recueil de sentences de Sénèque, publié par Jean Puget de la Serre, L'Esprit de Sénèque, en 1657. Un Augustinien strict, comme l'Esprit, ne pouvait qu'être porté à démentir ce florilège de vertus stoïciennes qui suppose que l'homme soit parfaitement maître de lui-même et de sa volonté, et qu'il se dévoue héroïquement à sa gloire. En 1678, Esprit fera paraître un traité de la fausseté des vertus humaines qui reprend cette intention et la conduit d'une manière aussi méthodique que systématique. En 1657, toutefois, sous l'influence peut-être des jeux lettrés auxquels les Mondains aiment s'adonner, ainsi que des premiers essais de Pascal qui a représenté son dessin sous une forme qu'on a du mal à déterminer exactement chez Madame de Sablé, le style coupé et fragmentaire l'emporte. Il a le mérite de saisir des mondains vite blasés et de laisser à penser. Il faut forcer les énoncés volontiers mystérieux ou provoquants. La Rochefoucauld se prend de passion pour l'exercice. Il ne cesse de relancer ses compagnons, même lorsqu'il passe plusieurs mois sur ses terres. Les maximes sont pour lui comme un rhume, un virus qui s'attrape. Mais tous n'ont pas le talent qui transforme l'infection en prouesse féconde. De fait. Madame de Sablé, qui tente de constituer un recueil à part soi, est déçue par la lecture qu'en fait Arnaud d'Andilly en 1661. Elle prend ses distances. S'il lui revient d'introduire et d'imposer le terme de Maxime, elle cesse de collaborer activement à l'accroissement de l'œuvre. Quant à Esprit, alors qu'il cherche un emploi auprès de Madame de Longueville, il s'écarte de la Rochefoucauld au moment de parution de ses mémoires. En 1662, la Rochefoucauld reste ainsi l'unique maître d'œuvre des Maximes. Sans doute échaudé par le scandale que les mémoires ont causé, il laisse Madame de Sablé organiser une vaste campagne de lecture des Maximes afin de recueillir l'opinion de lecteurs divers. L'opération a deux effets une copie fuite et une édition pirate, fautive, est publiée en Hollande en 1664, tandis qu'il apparaît que les meilleurs esprits Incapables de restituer le contexte augustinien de l'œuvre, qui ne mentionne jamais Dieu ou la religion, sont scandalisés par des propositions où ils ne voient que cynisme et cruauté. En conséquence, Madame de Sablé et La Rochefoucauld préparent à la hâte une édition autorisée. Elle est paraît, en 1665, pourvue d'une abondante préface qui livre toutes les clés du texte. Présenté comme une préparation à l'évangile en ce qu'il doit désabuser l'homme sur ses vertus et lui faire voir la misère de sa nature. C'est la lecture que La Fontaine en propose dans la fable L'homme et son image. Les maximes sont un canal ou un miroir dans lequel il suffit de se pencher pour se voir à nu. En effet, derrière l'éclatement du texte, toutes les vertus et les passions sont scrutées, débusquées, renversées. La Rochefoucauld tient un propos de désabusement. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés, annonce l'épigraphe. Le livre décrit un monde régi par l'amour propre, l'amour de soi augustinien. Les passions y règnent à l'envie intérêt, vanité, frivolité, sottise devant la mort, aveuglement sur soi, impuissance, concupiscence effrénée. La Rochefoucauld anatomise, dissèque jusqu'à l'évaporation de toute illusion. Il ne reste que des osselets de prétentions grimaçantes. Répétition, réversion, polyptote martèlent une vérité d'autant plus âpre que la dispersion du propos provoque des effets de reprise imprévus et des antithèses. On incommode souvent les autres, quand on croit ne les pouvoir jamais incommoder. « Il y a peu d'honnêtes femmes qui ne soient las de leur métier », cingle la Rochefoucauld. Ainsi, la fortune et l'humeur gouvernent le monde. Les maximes, stricte application de la vision augustinienne de l'homme, promue par Port-Royal, ne réservent aucune échappée à l'humanité. L'intériorité est une chose trappe, noyautée par des calculs et des esquives trompeuses. Quelques traits enjoués ne suffisent pas à rattraper ce tableau d'un monde accablé par la chute, car le soldat Rochefoucauld ne propose aucun combat à son lecteur. Il se contente de diagnostiquer, de révéler le trompe-l'œil. À peine rêve-t-il s'il y a un amour pur et exempt du mélange de nos autres passions, c'est celui qui est caché au fond du cœur et que nous ignorons nous-mêmes. Ni le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. En effet, c'est-à-dire aucun des principes susceptibles de discriminer la vérité. Il est impossible de déterminer si l'amour évoqué par la Rochoucault est un amour spirituel, divin ou une amour humaine. L'auteur publie cinq éditions de 1665 à 1678, deux ans avant de mourir. Elle laisse saisir, au fil des révisions et des accroissements, dans la dernière version du livre, une hausse du nombre des maximes consacrées à des valeurs civiles ou à l'amour, sans qu'il soit facile de déterminer l'inflexion que la Rochefoucauld entend imprimer à son livre. On peut se contenter de laisser muettement en regard ces différents textes. L'évidence que leur composition est tout à fait entrelacée, entre 1657 et 1665, qu'autoportraits, maximes et mémoires se répondent rend toutefois perplexe. L'autoportrait de 1659 est-il une concession creuse à l'art de poser, ou bien éclaire-t-il un peu d'une intimité si farouchement dérobée Le recueil de bons mots attribué à Jean de Segré, qui fut très proche de Madame de Lafayette et de la Rochefoucauld, veut que ce dernier ait forgé l'expression « être vrai ». On sait que ses amis lui avaient donné pour sobriquer la franchise, réservant l'appellation de brouillard à Madame de Lafayette. En 1690, le dictionnaire de Furtière définit la franchise comme le fait de montrer de la sincérité tant en ses paroles qu'en ses actions. La sincérité est précisément l'absence de mélange et la pureté de cet amour dont La Rochefoucauld envisage la possibilité, mais pourvu qu'il demeure, je cite, caché au fond du cœur, ignoré de celui-là même qui l'éprouve. Or, à rebours de son surnom, Laroche Rochefoucauld semble n'avoir jamais été l'homme de l'absence de mélange. Soldat et mondain, entiché de noblesse et intrigant fiefé, vaniteux mais sans illusion, méthodique et ironique tout ensemble. Dès la deuxième édition des Maximes, il retranche la préface, qui éclaircit son livre jusqu'à la limpidité, rétablissant la possibilité de contresens de lecture, qui, de fait, seront légions, choisissant l'ambiguïté et l'incertitude, le risque indéfiniment renouvelé. Ce comportement fait étonnamment écho au sinistre portrait que son meilleur ennemi, le cardinal de Ray, a fait de La Rochefoucauld. Écoutons-le. Il y a toujours eu du je-ne-sais-quoi en tout monsieur de la Rochefoucauld. Il a voulu se mêler d'intrigues dès son enfance, et dans un temps où il ne sentait pas les petits intérêts qui n'ont jamais été son faible, et où il ne connaissait pas les grands qui, dans autre sens, n'ont pas été son forte. Il n'a jamais été capable d'aucune affaire, et je ne sais pourquoi, car il avait des qualités qui eussent suppléé en tout autre celles qu'il n'avait pas. Sa vue n'était pas assez étendue, et il ne voyait pas même tout ensemble ce qui était à sa portée. Mais son bon sens, et très bon dans la spéculation, jouait à sa douceur à son insinuation et à sa facilité de mœurs, qui est admirable, devait récompenser plus qu'il n'a fait le défaut de sa pénétration. Il a toujours eu une irrésolution habituelle, mais je ne sais même à quoi attribuer cette irrésolution. Elle n'a pu venir à lui de la fécondité de son imagination, qui n'est rien moins que vive. Je ne la puis donner à la stérilité de son jugement, car quoi qu'il ne l'ait pas exquis dans l'action, il a un bon fond de raison. Nous voyons les effets de cette irrésolution, quoique nous n'en connaissions pas la cause. Il n'a jamais été guerrier, quoiqu'il fût très soldat. Il n'a jamais été par lui-même bon courtisan, quoiqu'il ait toujours eu bonne intention de l'être. Il n'a jamais été bon homme de parti, quoique toute sa vie il y était engagé. Cet air de honte et de timidité que vous lui voyez dans la vie civile s'était tourné dans les affaires en air d'apologie. Il croyait toujours en avoir besoin, ce qui, joignent à ses maximes, qui ne marquent pas assez de fouet à la vertu et à sa pratique. Qui a toujours été de chercher à sortir des affaires avec autant d'impatience qu'il y était entré, me fait conclure qu'il eût beaucoup mieux fait de se connaître et de se réduire à passer comme il l'eût pu pour le courtisan le plus poli qui eût paru dans son siècle. Je ne sais quoi, irrésolution contradiction, rait écrit un homme incapable de s'en tenir à une leçon ou à une face, un homme maniaquement contradictoire et, à vrai dire, aussi proche du brouillard que madame de Lafayette, sa grande amie, pouvait l'être. Est ce un travers ou l'économie d'un être au monde qui n'entend pas se simplifier, parce que toute simplification, toute évaporation de nos brumes nous expose immédiatement aux mensonges parce que la clarté ne saurait être le lot de l'homme irrémédiablement partagé, bifronce, écartelé entre cité de Dieu et cité terrestre. Parce que la conscience, comme affirmation univoque, ne peut être qu'un leurre tragique. La Rochefoucauld ne cherche t-il pas en permanence à brouiller le jeu, parce que l'incertitude est la conséquence inéluctable qu'il faut tirer d'une vision ou qui veut faire l'enchever la bête, comme le formule Pascal ou encore les hommes ne sont ni tout à fait bons, ni tout à fait méchants. Le fin mot, chez La Rochefoucauld, n'est il pas la superposition de textes et de portraits qui créent la contradiction et l'incertitude, pour se réserver une chance d'accéder au plus vrai de soi, trop bien averti que toute tentative de trancher est vouée à un sort pire que l'accommodement humble et poli aux incohérences du monde sublunaire. La politesse ne consiste-t-elle pas à tolérer la demi-teinte sans illusion, le silence, le flottement Comme la princesse de Clèves, lors de sa dernière entrevue avec Nemours, refuse de l'épouser sans interdire tout à fait la possibilité d'un revirement dont elle n'a que trop souvent fait l'épreuve. Ne faut-il pas s'admettre trompeur et inapte à la pureté désirée Animula, vagula, blandula, vouée fatalement au jeu et à l'impropriété. Dans ces conditions, subsiste t-il une contradiction entre le tableau désespéré que les maximes tracent de la condition humaine et la persistance chez La Rochefoucauld d'une espérance de l'amour? Et tout l'emploi d'une vie n'est il pas de résister, s'agissant de l'amour, à l'entraînement d'une corruption universelle qui conduirait à y renoncer, de connaître précisément son jeu et son flux invincible pour lui interdire du moins la décrépitude de l'amour la plus insupportable de toutes, écrit La Rochefoucauld à la fin de sa neuvième réflexion diverse. Ces réflexions que leur caractérisation invite à rapprocher des maximes, à considérer le titre voulu par leur auteur, Réflexion aux sentences et maximes morales, sont des méditations plus étendues que sentences ou maximes. Elles en épousent en revanche tout à fait le propos. Or, dans la neuvième d'entre elles, La Rochefoucauld indissolublement lit l'amour et la vie. De l'amour et de la vie. L'amour est une image de notre vie. L'un et l'autre sont sujets aux mêmes révolutions et aux mêmes changements. Leur jeunesse est pleine de joie et d'espérance. On se trouve heureux d'être jeune comme on se trouve heureux des mères cet état si agréable nous conduit à désirer d'autres biens et on en veut de plus solides. On ne se contente pas de subsister on veut faire des progrès, on est occupé des moyens de s'avancer et d'assurer sa fortune, on cherche la protection des ministres, on se rend utile à leurs intérêts, on ne peut souffrir que quelqu'un prétende ce que nous prétendons. Cette émulation est traversée de mille soins et de mille peines qui s'effacent par le plaisir de se voir établi. Toutes les passions sont alors satisfaites, et on ne prévoit pas qu'on puisse cesser d'être heureux. Cette félicité néanmoins est rarement de longue durée et elle ne peut conserver longtemps la grâce de la nouveauté. Pour avoir ce que nous avons souhaité, nous ne laissons pas de souhaiter encore. Nous nous accoutumons à tout ce qui est à nous. Les mêmes biens ne conservent pas leur même prix, et ils ne touchent pas toujours également notre goutte. Nous changeons imperceptiblement, sans remarquer notre changement. Ce que nous avons obtenu devient une partie de nous-mêmes. Nous serions cruellement touchés de le perdre, mais nous ne sommes plus sensibles au plaisir de le conserver. La joie n'est plus vive. On en cherche ailleurs que dans ce qu'on a tant désiré. Cette inconstance involontaire est un effet du temps qui prend malgré nous sur l'amour comme sur notre vie. Il en efface insensiblement chaque jour un certain air de jeunesse et de gaieté et en détruit les plus véritables charmes. On prend des manières plus sérieuses, on joigne des affaires à la passion. L'amour ne subsiste plus par lui-même et il emprunte des secours étrangers. Cet état de l'amour représente le penchant de l'âge où on commence à voir par où on doit finir. Mais on n'a pas la force de finir volontairement. Et dans le déclin de l'amour, comme dans le déclin de la vie, personne ne peut se résoudre de prévenir les dégoûts qui restent à éprouver. On vit encore pour les maux, mais on ne vit plus pour les plaisirs. La jalousie, la méfiance, la crainte de lasser, la crainte d'être quitté, sont des peines attachées à la vieillesse de l'amour, comme les maladies sont attachées à la trop longue durée de la vie. On ne sème plus qu'on est vivante que parce qu'on sent qu'on est malade, et on ne sent aussi qu'on est amoureuse que par sentir toutes les peines de l'amour. On ne sort de l'assoupissement de ces trop longs attachements que par le dépit et le chagrin de se voir toujours attaché, enfin de toutes les décrépitudes celle de l'amour est la plus insupportable. Les ducs de La Rochefoucauld prétendaient descendre de la fée Mélusine. Elle avait protégé et épousé leur ancêtre, Raymond, selon la légende, à condition qu'il jouît de son amour et de ses bienfaits sans jamais chercher à la voir le samedi. Un jour cependant, jaloux, Prisonnier de cette passion si décriée dans les Maximes, Raymond l'épie à travers un trou qu'il creuse dans la porte de sa chambre. Il découvre que sous le nombril, sa bien-aimée a le corps d'un poisson ou d'un serpent, sirène ambivalente, tout ensemble ensorcelante et mortifère. Aussitôt, le charme est rompu. Ayant vu, sachant, l'incertitude dissipée, Raymond perd l'amour et la joie qu'il possédait. Cette autre fable de Psyché et de Cupidon, n'est-elle pas le rébus inscrit au blason de l'auteur des maximes? Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. On ne peut lentement, subtilement, qu'encercler, incertainement, la vérité convoitée, qui ne peut être que cachée. La Rochefoucauld était prédestinée, semble-t-il, à se reconnaître dans le dieu si bien caché de Port Royal et ses ostensoirs disposés en soleil voilé.